Soy Aline Kuppenheim, actuó el rol de Carmen en 1976 de Manuela Martelli. Et Carmen, c'est une bourgeoise, une femme qui répond à un modèle d'être femme à cette époque-là, une femme de 50 ans, et elle vit cette dictature d'une façon un peu inconsciente, mais quelque part, elle comprend, quoi. Tout à coup, elle tombe sur cette histoire, le curé du village qui lui demande de protéger un révolutionnaire, et là, elle découvre vraiment ce qui se passe dans son pays. Alors, il y a un éveil en Carmen, elle essaye de faire comme il faut, mais en même temps, il y a une pulsion, il y a quelque chose en elle qui la pousse à presque irrationnellement s'exposer comme ça, prendre le risque. Et je pense que c'est un exercice de mémoire. Moi, j'ai vécu la dictature, j'ai vécu cette violence cachée. C'est un film sensible. Il y a quelque chose d'universel par rapport à la violence, aux dictatures, et qu'on vit peut-être aujourd'hui aussi. C'est un film qu'on peut extrapoler à n'importe quelle réalité.